فيستغلها في السهرات وفي اللعب وفي ضياع الوقت.
ومنا من يستغلها كما أمره محمد صلى الله عليه وسلم وكما أمره الله بها فتفوت المناسبة فيكون قد اقترب من الله عز وجل كثيرا وتقرب من ربه سبحانه وتعالى. ومن الناس وللأسف من إذا جاءت المناسبة أبعدته عن الله عز وجل وازداد بعدا عن بعد. ونحن هذه الأيام أيها الإخوة نقترب كثيرا من رمضان، ولم تبقى إلا بضع أيام، 26 يوما، ويحل علينا رمضان ضيفا. فيقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. تصور الله سبحانه وتعالى يناديك ويقول لك: أنا أريد أن أتوب عليك. Je rappelle mes frères et mes sœurs que dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des jours, ce sont des stations d'arrêt pour que tu t'arrêtes, tu te reposes et tu te charges de l'iman pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, ces circonstances et ces moments-là, il y en a qui les utilisent mal et qui ne profitent pas, et en particulier Ramadan, qui vient une fois par an. Nous avons remarqué tous comment les jours aujourd'hui se succèdent et comment ça passe tellement vite. À chaque fois que vous rencontrez un frère, il vous dit: Subhanallah, c'était hier vendredi, Subhanallah, c'était hier Ramadan, Subhanallah, ça passe très vite, et on le remarque. Donc si on ne profite pas de ces jours, si on ne profite pas de ces occasions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est là où on comprend le hadith du prophète alayhi salatu wassalam quand il dit: man adraka ramadan wa lam yughfar lah rahim anfu mri'in adraka ramadan wa lam yughfar lah faqad zadahu bu'dan an bu'd. Celui qui reste en vie jusqu'au mois de ramadan et qui ne profite pas de ramadan pour se faire pardonner, eh bien il est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. 26 jours à peu près qui restent pour le mois de Ramadan, et c'est une occasion pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, grands et petits, de se préparer à ce jour-là, pour se préparer à Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est à Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés parmi les plus belles paroles qui sont dites. Comme a dit alayhi salatu wa salam: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي رَمَضَانِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. من لا يريد هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام parmi les plus belles paroles, et toutes ces paroles sont belles bien sûr, et il nous dit عليه الصلاة والسلام que Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va sauver des gens de l'enfer, et ils seront nommés, ils seront connus près d'Allah عز وجل, les connus bien sûr, et bien tels seront sauvés de l'enfer pendant Ramadan. Et chaque nuit, c'est-à-dire que chaque nuit de Ramadan, il y a une partie des musulmans, une partie des croyants qui sera sauvée de l'enfer. Et quand elle sera sauvée, c'est une fois pour toutes. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla décrète que à partir de ce Ramadan, et pourquoi pas nous tous, à partir de ce Ramadan, on se dit: je vais essayer de tout faire pour faire partie de ces gens-là qui seront pardonnés pendant ce mois de Ramadan. Et il dit l'insan, annani أقول هذا رمضان. لذلك أنا أكدت عليك الأسبوع الماضي وقلت بأن الإنسان من الآن يبدأ الاستعداد لرمضان، يقول أن هذه السنة سأقضي رمضان ليس كباقي رمضانات. الله عز وجل يزابيه في القرآن الكريم يدي: والله يريد أن يتوب عليكم. يا الله veut pardonner. يريد أن يتوب عليكم. Il veut vous pardonner. Qui est aujourd'hui qui ne veut pas que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne? Donc il faut qu'on fasse l'effort et qu'on fasse le premier pas, et on va vers Allah Azza wa Jalla. Firrou ila Allah, et accourez-vous vers Allah Azza wa Jalla, fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala, fuyez vers Allah, allez vers Allah Azza wa Jalla, comme a dit Moussa: wa ajidtu ilayka rabbi li tarda, et je me suis empressé vers toi ya Allah pour que tu sois satisfait de moi. An yassir al-insan, an yajid al-insan ila Allah Azza wa Jalla, yastaghil hadha ash-shahr li'annahu la yadri هل سيصل رمضان أم لا؟ Et ça, mes frères, j'insiste sur ce point-là. J'insiste. Il faut le comprendre. Parce que tu n'as aucune certitude. Tu n'as aucune garantie que tu vas arriver à Ramadan. Alors, quelle est la solution pour pouvoir profiter de Ramadan comme il le faut? Eh bien, avec la bonne intention à partir de maintenant.
À partir de maintenant, l'insan y jette de l'ia mille à l'âme. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, qaddar Allah azza wa jal, wa mata l'insan, fayub'at, amam Allah azza wa jal, ala niyati, bin niyya bin nikan aliha. Yani anna Allah subhanahu wa ta'ala, y'a'ti ajr niyya, wa ajr amal, wa ajr siyam, wa ajr khayr. Limad al-anaw nawa. Nous avons aujourd'hui une sœur sur laquelle on va faire la prière du moment, Ibrahima Allah. Et je suis sûr, certain, comme je vous disais la dernière fois, peut-être elle, Allah yarhamha, elle aussi peut-être à se préparer pour Ramadan. Peut-être elle aussi, elle veut, elle désire que je vais faire les prières de Tarawih à Tarab, je vais faire les prières de Tarawih à Imoukou, je vais faire la prière par un plaisir, je ne sais pas, je vais faire appel à peut-être qu'elle se préparait aussi pour Ramadan, pour passer avec ses enfants, pour passer avec sa famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement. الله عز وجل أمكته لي لكن الله عز وجل يريد أمر آخر قد لا يوافق ما يريد الله عز وجل ولكن إذا كان مراد فما يريد الله ففزت ورب الكعبة quand ce que veut Allah عز وجل quand tu veux ce que Allah عز وجل donc c'est là la réussite donc qui nous garantit qu'on va rester jusqu'à Ramadan on n'a aucune certitude et donc à partir de maintenant la bonne intention من الآن من الآن في ناس قلت لكم الأسبوع الماضي من الناس من الآن كي يستعدوا باش يتفرجوا في المسلسلات Et les problèmes des frères aussi, les problèmes des pratiquants aussi. Pendant le mois de Ramadan, il est planqué devant la télévision. Il attend avec le feuilleton de A ou B ou je ne sais pas quoi. Et il y a des sœurs qui disent Masha'Allah, cette année, il y aura la deuxième partie du feuilleton tel et tel. Ah, subhanallah, fiqiya ukhaya, afiqiya ukhaya, réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la télé Bimala tafa'uk al-fan, bimala yanfa'uk al-musalsalat. باش ينفعك المسلسلات بماذا ينفعك اللعب بماذا ينفعك الاختلاط بماذا ينفعك ضياع الوقت Qu'est-ce que tu vas gagner du temps perdu devant la télé Qu'est-ce que tu vas gagner du temps perdu de ton téléphone Eh bien, pendant le Ramadan, maintenant, l'âne prend la décision. Il reste 26 jours. 26 jours, mais maintenant tu dis, bien, il n'y a pas de télé pendant le Ramadan. Tu vas pas mourir si tu ne regardes pas la télé. Allez, je te montre. Et d'un même temps, tu le fais. Allez, je te montre, il a ma tasse, je vais la vivre. Tu ne vas pas mourir si tu n'utilises pas ton téléphone. Tu ne vas pas mourir si tu n'utilises pas ton ordinateur. Mais tu m'as dit de m'as dit le hasoub. Et d'un arlèr tout le chèque. Khali la hâtif, s'amlou, l'issinat al-rahim. Laisse ton téléphone pour l'utiliser dans l'issinat al-rahim, pour rappeler la famille, pour rappeler ta femme, pour rappeler tes enfants, pour passer, pour le faire d'enfile. Ta'atillahi azza wa jal. Aujourd'hui, les jeunes, pareil, ne passez pas, prenez la décision à partir de maintenant et vous dites, je ne le ferai plus comme les années précédentes. Alors, pas de soirée à l'extérieur de la maison et hors de la mosquée. Non. Se rencontrer, on va faire un restaurant ce soir. Mais quel restaurant? Reste-toi, va à la mosquée. Va à la mosquée, c'est le masjid. Et d'aller dans le masjid, clé au pour le masjid. Mais le chabab, il est jahat le théo de Ramadan. Le mosquée, le chabab, le chabab, le chabab, le chabab, le chabab. حتى الأخوات والإخوة الشباب الرجال سنذهب إلى المطعم في ليالي رمضان لن نيد رمضان on va aller et il réserve dès maintenant il y en a qui réserve pendant la nuit du 27 il y en a qui réserve والله qui réserve dans des restaurants je ne sais pas où pour aller passer la nuit du 27 ensemble en groupe قالوا المسجد لمن ألا تريد أن يغفر الله لك ne veux-tu pas que Allah عز وجل te pardonne Ne veux-tu pas sortir de Ramadan lavé de tes péchés Il faut absolument à partir d'aujourd'hui qu'on fasse un programme. À partir de la mosquée, même à la mosquée, un programme. Cette année, on dit cette année, on va faire un programme pour les jeunes. Après Tarawih, personne ne rentre chez lui. Jusqu'à la fin, tu fais le fin, tu rentres. Pourquoi pas c'est vous C'est une belle chose, c'est une très bonne chose. Je viens à la mosquée, je fais Tarawih avec Cheikh, je fais Dua, j'arrête, je mange un petit peu, je reste à la mosquée, et je nuit, je fais Niya, je fais l'intention que je fais, et tu gardes que je fais une veillée spirituelle. Et tu gardes rien de plus. On ne parle pas de la phrase, tout va au centre de la phrase, on a mis la vie toi à l'homme. Et dormir, et ne dites pas que, il y a des gens aussi qui nous disent. On a Ramadan rédigé le char août, ou le char juin ou juillet, le char juillet ou juillet, ou le yontawil à la sa'anam, il y en a qui se préparent même pour dormir. Wallah, il y a des frères qui se réveillent à 3h de l'après-midi. Wallah, il y a des soeurs qui se réveillent à 16h de l'après-midi. Ya ibadallah, ya ikhwan, ya shabab, man qada yawm ou fin nom, ayyou sayyam, hada sayyam jour ou atash. Mais
même, et il fait Ramadan, il te dit oui, on a le droit, alhamdoulilah, de regrouper les prières de Dhuhr al-Asr. Il se réveille à 16h et il te dit alhamdoulilah, cette année Ramadan est très facile, j'ai rien senti. C'est normal, tu te réveilles à 16h. شيء طبيعي إذا فعل مع الرابعة مسألة والثالثة مسألة لا ليس هذا هو الصيام الهدف من الصيام أيها الإخوة الهدف من الصيام أن تسمو روحك إلى الله c'est que tu t'élèves spirituellement c'est que tu t'approches d'Allah سبحانه وتعالى c'est ça le but de Ramadan le but ce n'est pas de s'abstenir de manger de boire n'importe qui peut s'abstenir de boire et de manger mais le meilleur d'entre nous c'est celui qui s'abstient de boire et s'abstient de manger et s'abstient des rapports avec ses femmes avec sa femme et il s'abstient sa langue il retient sa langue et il s'abstient des péchés halt stop à la télévision stop à l'ordinateur stop au Facebook stop au Twitter et maintenant je me concentre pendant un mois et bien intensif donc في عبادة الله عز وجل شهر في طاعة الله سبحانه وتعالى شهر وهذا الشهر هذا الشهر هذا الذي ستقضيه في هذه بهذه الطريقة هو الذي سيساعدك على إتمام الطريق et c'est ce mois-là c'est cette préparation là c'est cette façon de passer Ramadan qui va te permettre de tenir des forces et d'aller passer de bonnes vacances si tu vas au bled parce qu'on a vu des choses qui se passent au bled nous avons vu des frères et des sœurs quand ils vont au bled, subhanallah, c'est comme si l'islam n'existe qu'à Trappe. Bon, j'ai dit la Trappe parce qu'on est à Trappe. C'est comme si l'islam n'existe qu'à la mosquée. On a vu des frères, subhanallah, premier rang, le Fajr. On l'a rencontré au bled avec un choc au-dessus de l'Ukba du Jour. Il va à la plage, il va à Ktila, il va avec. Il regarde les femmes nues, il regarde les hommes, il n'est rien. Et quand il revient, il te dit, subhanallah, je ne sais pas pourquoi ma foi a baissé. اي شكوت لوكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي ان العلم نور وعلم ونور الله الى تلك العاصي شيء طبيعي انك تنسى بيان سور كو تي با اوبليي بيان سور لان الايمان ينزل لان الايمان ينقص ويزيد يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب وبالاثم وبالمشاكل الان من الان اقضي هذا 26 يوم اللي بقات انوينيه خالصه ونستعد لرمضان استعد للقيام من الان أظن أنكم كلكم الحمد لله 80% تكون صائمة on doit être normalement au moins à 80% qui ont déjà commencé le jeûne لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تروي أمنا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في البخاري كان تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله عليه وسلم أتم شهرا صياما كرمضان وما رأيته أكثر صياما من شعبان أكثر أي الشهر الذي كان فيه كثير عليه الصلاة والسلام هو شهر شعبان ولما سئل عليه الصلاة والسلام قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان شهر شعبان وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم الله هذا حلاوة الحب الخير نعمة النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله عز وجل له ما تقدم وما تأخر من ذنبه كما جاء في سورة الفتح غفر الله عز وجل ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يصوم طيلة شهر شعبان عليه الصلاة والسلام إلى دو سو حديث أو كومبرون بيان سور دو جو سيتي لو حديث دابري عائشة دون البخاري ومسلم دون لوكيل عائشة رضي الله عنها وأرضاها دي جو دي فوا البروفيت عليه الصلاة والسلام يجوني جوسكا سكون ديزي كي نو با جامي رومبر سون جون إي دي فوا إي مون jusqu'à ce qu'on dit il ne va jamais jeûner. Et la seule fois, le seul mois où le prophète alayhi salatu wasallam l'a jeûné complet de A à Z, c'est le mois de Ramadan, et je n'ai jamais vu autant jeûner dans un mois que dans le mois de Sha'ban. Et un compagnon pose la question au prophète alayhi salatu wasallam, tu jeûnes le maximum de ce mois-ci, pourquoi? Et Rasulallah, il lui dit alayhi salatu wasallam, ce mois-là, c'est un mois dont la plupart des gens ne prêtent pas attention, ne font pas attention, ils négligent. C'est un mois entre Rajab et Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. Et c'est pendant ce mois-là que vos actes et nos actes remonte auprès d'Allah Azza wa Jal et il leur dit, alayhi salatu wa sallam, et regardez la beauté de sa parole, il leur dit, et j'aime que mes actes remontent à Allah Azza wa Jal et que je sois en état de jeûne. État de jeûne. Oui, bah, tu fais a'mal ou anasai. L'a'mal qui tu fais à Allah Sha'ban, il est jamais a'mal salam. N'tabou l'ikhoud. N'tabou l'akhoud. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Sha'ban, au mois de Sha'ban, tous les actes de toute l'année,
et remonte auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tout ce que tu as fait, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait? Mada fa'alt? Qallib l'ouraq dirk. Cherche ton thé, prends une feuille et depuis le Ramadan dernier, et regarde combien de hasana tu as fait, combien de namima, combien de ghaiba, combien de calomnie, combien de médisance, combien de mensonges, combien de prières la nuit, combien de jours tu as jeûné, combien de lundi de jeûne tu as jeûné, combien de sadaqa tu as donné fisabilillah, combien de fois tu as fait da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de fois tu as raté la prière, combien de fois tu as raté le fajr, combien de fois tu as raté le jumu'ah, et tu fais un bilan. Et tout ce que tu as fait là va remonter auprès d'Allah Azza wa Jal. Ou c'est un jidou. Et tu vas le trouver en Allah Azza wa Jal. Sallallahu subhanahu wa ta'ala kuna min alladhina yaktubu al-kitaba bi yaminihi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqul ha huwa qara'u kitabiya inni dhanantu anni mura'in hisabiya. Lisez mon livre, je savais que j'allais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais prêt, je me suis préparé à cette rencontre. Et on ne sait pas quand est-ce que cette rencontre va. Il a dit, نستعد أيها الإخوة, نستعد من الآن, استوعج اليوم, لرمضان نكتب من الصيام. وكما قلت لكم نفهم من هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام باش ما نسمعوش الكلام اللي كيقول لك وإذا وصلت 15 يوم في رمضان ما خصكش تصوم 15 يوم الثانية. لا, هذا حديث غير صحيح. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Le hadith authentique, c'est que tu peux jeûner tout le mois de le maximum du mois de Sha'ban, sauf deux jours avant. Comme a dit Al-Salam, n'a pas de mon siyam Ramadan, mais il y a un temps qu'a dit Al-Salam. Quand il reste deux jours ou trois jours à Sha'ban, là tu arrives. Sauf ceux qui avaient l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Donc pendant tout le mois de Ramadan, tout le mois de Sha'ban, on se prépare. Parce que nous actes vont remonter à Al-Salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tawwab, rahim. C'est-à-dire que si tu reviens, Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla yaghfir lak. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmati lakinna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Si tu prends la décision aujourd'hui, là le 22, aujourd'hui, tu prends la décision, tu dis je reviens, Allah subhanahu wa ta'ala le 3. Sha'ban, le 4 Sha'ban, tu dis aujourd'hui je reviens, Allah subhanahu wa ta'ala, et je me retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accepte. Il t'accepte, il te pardonne tout ce que tu as fait, un tatou. Et le repentir, ce n'est pas simplement dire avec un mot, Ya Rabbi, ça y est, je me repens vers toi, en toi, Ya Rabbi, un tatou. Il est clair, il n'y a pas de tauba, un tukli, un dam, un lataoud, il a dam. Le tauba, le repentir, c'est quand tu vois le péché devant toi, tu dis, Astaghfirullah, je me suis répondu, non, repentis, non, je ne referai plus la même chose. J'arrête la médisance, j'arrête la calomnie, j'arrête de regarder des choses qui sont haram et qui sont illicites sur mon ordinateur. Ton ordinateur va témoigner contre toi le jour dernier. Intabi. Ton téléphone témoignera contre toi. N'oublie pas ces choses-là. Vous savez, l'apôtre là, l'itkali al-hajj, al-sari al-itkali al-hajj, c'est un shahad à Allah Azza wa Jalla. Wa sayyidu Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Le jour où la terre contra et racontera Allah Azza wa Jalla ce que chacun d'entre nous fait ou a fait, c'est vrai. Donc il n'y a rien qui s'échappe, il n'y a rien qui se perd. Fais attention. Ton ordinateur, ton téléphone, eh bien, il va témoigner. Ça dépend comment tu l'as utilisé. Est-ce que tu l'as utilisé pour la da'wah? Est-ce que tu l'as utilisé pour Allah Azza wa Jalla? Ou est-ce que tu l'as utilisé pour regarder des choses terribles? Alors oublie, ferme la session, change ton compte Facebook s'il est mauvais. Si tu as des contacts mauvais dans ton compte, si tu as des SMS que tu reçois qui sont mauvais, enlève-les de ton ordinateur, enlève-les de ton portable et utilise tes moyens d'information, tes moyens, utilise-les dans le meilleur sens, Inch'Allah, comme ça, ils vont témoigner pour toi. انتبهوا ايها الاخوه الله يجازيكم خير. ننتبه استعجل اليوم تفصيلنا عن رمضان فاذا كتبنا الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل ان يبلغنا رمضان انه سميع مجيب فلنستعد لصيام هذا الشهر كي يرضى علينا الله سبحانه وتعالى. واش ناخذ الشحن pour avoir de la force aussi pour la suite. Comme je vous ai dit, quand tu vas au bled, tu t'es chargé pendant tout le mois de Ramadan. Quand tu vois quelque chose qui te plaît pas, tu dis ça pour Allah, non. J'ai passé un an, mais j'étais proche d'Allah Azza wa Jal. Ana kunt qareeb min Allah Azza wa Jal. Ana qareeb min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et en plus, deuxième chose, l'amr akhar kadhalik, je ne vais pas être très long, je vais essayer de vous laisser apporter notre serment, Inch'Allah. L'amr kadhalik, hada Ramadan, ida dourzti Ramadan, ida
قضيت رمضان بطريقة رائعة وطريقة قريبة من الله سبحانه وتعالى غادي يساعدك حتى ولا ما تسافرش تلقى هنا يساعدك مثلا من المشاكل من الذنوب يساعدك من الأعراس وغادي سكي سباس الحوضي دون لي دون لي سيريموني دي مارياج دي ميزيمو وجودي شنو أوسي تاني دي براتيكون On a été invité des fois à faire des mariages. On arrive au mariage pour faire le mariage, soi-disant, on pensait qu'il n'y avait pas d'khtilat. Il n'y a pas d'khtilat, il n'y a pas de mélange. Pourquoi on se mélange? Pourquoi on se mélange les femmes toutes seules, les hommes tout seuls? On arrive à l'khtilat. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il ne s'est pas manqué. Pas manqué d'ici. Ya Hajj! Ya Hajj! Ya man zara bayt Allah! Ya man tufta bil Ka'ba! Ya man tufti bil Ka'ba! Al-umr qasir! La vie est très courte. Vous avez un mariage, les femmes, les hommes. Ya ikhwani uqsim billahi alladhi ahalla al-qasama illa bi. Des frères, des gens pratiquants qui dansent avec des femmes. Ya la hawlillah. Est-ce que vous rejouez là? Est-ce que vous rejouez là pour être? C'est par quoi homme? D'aller danser avec les femmes dans un mariage. Pourquoi les jeunes, quand vous vous mariez, faites attention, ne commencez pas votre mariage par la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Commencez pas par ça. Et donc c'est quoi qui va vous aider? Par Ramadan. Ramadan, il va vous aider à vous éloigner de ça. Ramadan, il va vous inshallah. Ramadan, il va vous aider. Ramadan, il va encourager nos filles, nos sœurs qui vont se marier. Et qui va dire, non, j'ai passé un bon Ramadan, alhamdulillah. Je me suis voilé pendant le mois de Ramadan, alhamdulillah. Et bien mon mariage, je ne désobéirai pas Allah Azza wa Jalla. Et les frères aussi, les jeunes aussi. Ça ne sert strictement à rien de faire ce genre de choses. Tu ne gagneras rien, le mariage aura deux jours, la fête deux jours, un jour et ça y est. Et après tu seras un sujet de calomnie, un sujet de médisance. Tout le monde va... Pas de gaspillage. Et tout ça c'est quoi qui va nous aider? Ben, c'est Ramadan qui va nous aider. C'est le jeûne qui va nous aider. Quand tu passes la journée à jeûner, quand tu passes la journée à jeûner, et tu ressens la fatigue, et tu ressens la faim, et tu ressens la soif, eh bien tu penses à ceux qui n'ont rien à manger. Et tu penses à ceux qui n'ont rien à boire. Donc pendant ton mariage, pendant ta fête, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien tu vas économiser au maximum. Tu vas dire non, je ne veux pas que je gaspille. Pourquoi on fait du gaspillage? Pourquoi des fois 3 poulets, 4 poulets dans une même assiette pour 2 personnes? C'est du gaspillage. Ce sont des exemples que je donne, le temps ne me permet pas de tout détailler, mais il y a des choses terribles qui se passent aujourd'hui. Et la vie, elle est plus importante pour ça dans la rencontre d'Allah. Elle est plus importante que ces choses-là. Il faut faire très attention. L'intérêt, il y a des choses. Quand même, il s'est arrêté, Inch'Allah, Allah ne m'a pas. Allah ne m'a pas dit, Allah ne m'a pas dit, Allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إذن أيها الإخوة ننتبه 26 قتل رمضان إن شاء الله فنستغل الوقت ونقرب من الله سبحانه وتعالى ورمضان يأتي ونقتل من الصلاة ونقتل من الصيام ونقتل من الصدقة ونقتل من القيام ونكثر من قراءة القرآن رمضان فاشل هذا في جو لبنس جو كيرس إسي دو جوني إسي دو جوني 20 جو 25 جو 24 جو وكوكو با 10 جو شاكان selon sa capacité, selon ses moyens. Et maintenant, en même temps, tu fais halt stop à la télé, halt stop au portable, halt stop au téléphone, halt stop à l'ordinateur, et je n'utilise que dans les choses qui sont obligatoires pour moi, et je ne perds pas de temps. Il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a plus de temps. Nous avons notre sœur, Rahimallah, Maître Rahimallah, et combien d'entre nous meurent, combien d'entre nous décèdent, et demain, après demain, ça sera notre tour. Ghadat ou ba'dahad, ça y est qu'on daouri, mais ça y est qu'on daouro. Wa sallallahu alayhi wa sallam. إذا نستعد إن شاء الله أمر آخر كذلك ماذا قدمنا لهذا الدين؟ nos jeunes qui sont présents aujourd'hui, vous les jeunes qui êtes là, j'ai entendu qu'il y a encore des problèmes de jeunes dans les quartiers. J'entends aussi qu'il y a encore des conflits entre les quartiers. Ya Shabab, oudou ila Allah yarhamkoum Allah. Vous êtes envoyés sur terre pour faire le bien. Wa la tufsidou fil ardi ba'da islahiha. Quand Allah Azza wa Jalla nous a créés, il nous a créés pour répandre le bien, pas pour faire le mal. Faites attention, mes frères, faites attention les jeunes. S'il y a des jeunes avec nous maintenant et qui habitent dans ces quartiers-là, dans lesquels on entend qu'il y a des problèmes, si vous êtes là, essayez de faire quelque chose qui va calmer la situation, qui va calmer l'attention et vous aurez la récompense à Allah Azza wa Jalla. Vous serez récompensé auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez avec un sourire. Non, ça ne sert à rien le problème. Ça ne sert à rien les conflits. Il n'y aura que des problèmes. Tu risques de faire des erreurs sans te rendre compte. Faites
faites attention, s'il y a des gens, Allah yarda alaykoum les chabab, ya awladna, Allah yahfadkoum ybarakoum, si vous êtes présents, et s'il y a des enfants de ces quartiers-là, faites attention, et faites de telle sorte pour apaiser la situation, pour apaiser le climat, pour être ou pour montrer le vrai visage de votre religion, la bonté de notre religion, la fraternité. Subhanallah, tu pars en conflit avec ton frère, en islam avec ton frère, avec qui tu pries, avec quelqu'un, peut-être tu vas être avec lui au paradis, inshallah. Alors soyons des frères, la main dans la main, nous avons besoin de cette fraternité, de cet amour entre nous. Pourquoi des problèmes? Pourquoi on fait parler de nous? Pourquoi nos jeunes font parler d'eux? Faites mal d'aller ce qu'il faut. Faites, vous êtes les meilleurs, alhamdoulilah, avec votre foi. Wallahi, vous êtes les meilleurs avec votre foi. Avec votre foi, personne n'est comme vous. Parce que vous priez, parce que vous vous prosternez, parce que vous adorez Allah Azza wa Jalla, parce que vous lisez le Coran al-Karim. Alors, il faut rectifier ces erreurs-là et revenir, inshallah. Wa qabla an akhtim, yani fi mar'a وبنتها عندهم مشاكل وعندهم حاجة قول الله عز وجل أن يقضي حاجتهما وأن يشفي جميع أمراضهما إن شاء الله وأن يحل مشاكلهما إنه سميع المجيب. كذلك في أخت تدعوكم لولدها موجود في المستشفى في العناية المركزة dans les soins intensifs. Il y a une femme qui a son fils, il est aux heures, enfin il est à l'hôpital dans un état très difficile. Elle vous demande du'a. Parmi vous, je vous ai dit, il y en a qui sont du'a acceptés, alhamdulillah. Dès que vous dites Amin, Allah Azza wa Jal, il exauce votre du'a. Rubba ash'ata abadna wa aqsama ala Allahi wa abadna. Tubu Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha jami'a awladina wa an yarhama amwatana wa yaghfir dhunubana wa yastir uyubana. Allahumma arhamna wa arham walidina wa arham man 'allamana. Allahumma tub 'alayna tawbatan turdik. Allahumma tub 'alayna tawbatan turdik. Allahumma ij'alna min as-salihin واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين. اللهم زوج العزاب واسعد المتزوجين برحمتك ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقدموا الامانه الحمد لله.